Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à Clove. Veuillez attacher votre ceinture et cesser de fumer. Nous voici en Cile d'avis, capitaine. On va enfin savoir ce que signifie le télégramme du professeur. Mais en attendant, je ne le vois nulle part. C'est pourtant lui qui nous a demandé de venir le rejoindre. Bizarre qu'il ne soit pas venu nous chercher. Ainsi, ce sont eux, Haddock et Tintin. Oui, ils vont rejoindre le mammouth au grand magasin. Je vais savoir pourquoi ils sont là. Notre informateur sur place s'en occupe, chef. Parfait. C'est bon. Allez-y. Vous êtes capitaine Haddock et Tintin? Oui. Le professeur Tournesol m'envoie chercher vous. Alors, si je comprends bien, il n'est pas là. Non, monsieur, lui n'a pas pu venir. Eh bien, allons-y. Regarde. La Zeppo leur a déjà mis la main dessus. Ne vous inquiétez pas, chef. Nous allons les tenir à l'œil. Eh bien, dites donc quel accueil. Ce cher Tournesol fait bien les choses, un chauffeur et un valet, Mazette. Oui, en effet, capitaine. Mais qu'avez-vous donc à vous retourner sans cesse? C'est cette voiture qui m'intrigue. Elle nous suit depuis que nous avons quitté l'aéroport. Oh, c'est sans doute quelqu'un qui va à Clove, tout comme nous. Possible. Ben, tenez, regardez, nous y sommes presque. Eh bien, chauffeur, nous avions rendez-vous à Clove. Que se passe-t-il? Moi, vous conduire chez votre ami professeur. Lui, plus à coiffe, lui, déménagé. Vous ne pensez pas qu'il aurait pu nous prévenir? Oui, je trouve tout ceci bien étrange. Voilà maintenant 2 heures que nous roulons et cette voiture nous suit toujours. Год градизно. Зоргус не стоит что. Год. Mille sabords, mais où a-t-il donc été se fourrer, ce zouave de Tournesol? Je me le demande. Tout ceci semble vraiment bizarre. Enfin, nous aurons sûrement des explications. Nous entrons directement au garage maintenant. Mille millions de mille sabords, c'est une véritable forteresse ici. Oh, capitaine, regardez! Hein? Messieurs, vous êtes arrivés. Heureux de voir faire bon voyage. En vain, ce n'est pas trop tôt, tonnerre de Brest. Mille sabords. Permettez-moi de me présenter. Frank Wolf, ingénieur adjoint du professeur Tournesol. Enchanté, moi c'est Tintin. Capitaine Haddock, enchanté. Dites, j'aimerais savoir quels sont ces gangsters qui nous suivent depuis l'aéroport. Rassurez-vous, pas gangsters, capitaine. Ce sont hommes de la Zeppo. Zeppo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Zeppo, Secret Police en Sildave. Service sécurité. Votre service de sécurité? Si vous voulez bien me suivre, le professeur Tournesol vous attend. Il vous expliquera tout cela mieux que moi. Nous ne sommes pas plus avancés. Que voulez-vous? Le mammouth travaille. Mais où en est-il exactement, mystère? Certes, mais s'il a fait venir Tintin et Haddock, c'est que la première phase va bientôt commencer. Devons-nous déclencher l'opération? Oui, immédiatement. Voilà, nous y sommes. Non! Oh, ce cher capitaine Haddock, dans mes bras, mon ami, quel plaisir de vous revoir. Oh, oh,
excusez-moi, j'avais complètement oublié mon casque. Un nouveau modèle de plexiglas dont nous étions en train de tester la solidité. Eh bien, mille sabords, il est solide, vous pouvez me croire. Un casque en plexiglas? Mais pourquoi faire? Non, 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 pas du verre, du plexiglas. Le verre est beaucoup trop fragile. Oui, bien sûr, mais à quoi est-il destiné, ce casque? Non, un moment, je vous prie. Je vous demande pardon. Oh, vous employez un cornet acoustique, mais pourquoi pas un de ces petits appareils qui se placent derrière l'oreille? Ah non, non, ces appareils-là sont pour les sourds. Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille. Un peu dur d'une oreille, ça c'est la meilleure. Professeur, pourriez-vous enfin nous dire où nous sommes? Ah, monsieur Wolf ne vous a pas mis au courant. Eh bien, suivez-moi jusqu'à mon bureau, je vais vous expliquer. Là, vous avez devant vous une partie seulement des installations du Centre de Recherche Atomique de Sborg. Très impressionnant. Mais ça sert à quoi tout ça? Oh, j'y viens, capitaine, j'y viens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voyez-vous, le gouvernement Silda m'a invité à venir travailler ici et l'on m'a confié la direction de la section astronautique. J'y suis secondé par l'ingénieur Frank Wolf que vous avez vu tout à l'heure. Nous sommes en train de mettre au point une fusée à propulsion atomique. Hein? Une fusée? Mais pourquoi faire? Pour aller sur la Lune, bien sûr. Elle est bien bonne, sacrée tournesol sur la Lune. Et vous comptez emmener des passagers? Mais naturellement, pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir? Quoi? Qu'est-ce que vous dites, moi, sur la Lune avec vous? Mais ma parole, mille sabords, vous travaillez de l'électron. Sur la Lune, jamais je ne mettrai un seul pied, entendez-vous, dans votre satanée fusée de tonnerre de Brest. Jamais! Oh, merci, capitaine. Hein? Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, messieurs, puis-je entrer? Oh, monsieur Baxter, venez que je vous présente le capitaine Haddock. Il vient d'accepter avec enthousiasme et il se fait une joie de s'embarquer avec moi pour la Lune. Monsieur Baxter est le directeur du centre. Enchanté, capitaine, et toutes mes félicitations. Le professeur m'avait dit que vous étiez un homme d'une trempe extraordinaire. Mais je... À vous aussi, jeune homme, toutes mes félicitations. Merci. Bien, je crois qu'il est temps de faire visiter le centre à nos futurs héros. Oh, volontiers. Et maintenant, messieurs, je suis très fier de vous montrer ce pourquoi tout le monde travaille ici. Voici la XFLR-6, la fusée à propulsion atomique. Ne me dites pas que vous comptez nous envoyer sur la Lune avec ce machin-là. Non, capitaine, il s'agit d'une fusée expérimentale. Oh. La XFLR-6 va faire un vol d'essai radio-guidé autour de la Lune. Elle prendra à cette occasion les photographies du futur site d'alunissage et fera de nombreux relevés afin de préparer notre vol. Allô, centrale? Allô, centrale? Alerte! Un avion venant du sud survole la zone interdite. Centrale Sborg, avion non identifié. Vous survolez une zone interdite. Faites demi-tour. Je répète, faites demi-tour. Nous allons tirer. Ils annoncent qu'ils vont tirer. Il s'agit de gagner du temps. Ici SFFL. Message reçu. Nous avons perdu notre route. Demandons position exacte. Leur appareil de transmission est endommagé. Attendez, c'est un piège. Deux parachutes se sont éjectés de l'avion. Ordre à la DCA d'ouvrir le feu. Mais ce sont des tirs de DCA? Oh mon Dieu! Ça venait de la chambre d'à côté. Vite, Milou! Professeur! Qui là? On a frappé. Entrez! Professeur! Messieurs, les événements de cette nuit sont graves. Un avion inconnu a réussi à échapper à la DCA et a largué deux parachutistes qui se sont introduits dans le centre. Inutile de vous dire que tout a été mis en œuvre pour les retrouver et qu'ils seront incessamment capturés. Il est clair que ces hommes sont prêts à tout. Il faudra donc redoubler de vigilance. Rien ne nous arrêtera. La manière dont cette expédition sera menée le démontrera. Merci, messieurs. Ça sera tout. Vous pouvez disposer. Oh, je suis désolé. C'était un peu de gravat de la nuit dernière. Ne vous excusez pas, professeur. Il n'y a pas de mal. Je proteste énergiquement. Je dirais même plus. J'énergie protestement. Dupont et Dupont? Nous avons capturé les deux parachutistes. Ils étaient au beau milieu de la zone interdite. Vraisemblablement des activistes grecs. Grecs? Mais nous avions pourtant demandé des costumes sildaves. Qu'importe, je veux savoir dans quel but vous avez été parachuté. Parachuté? Hein? Où ça? Qui ça? Nous! Monsieur Baxter, il doit y avoir une erreur. Je connais bien ces messieurs. Ce ne sont pas des espions, mais les détectives Dupont et Dupont. Dupont et Dupont? Mais alors, vous êtes ceux dont on m'avait annoncé l'arrivée? Oui, c'est nous.
Oh, veuillez excuser cette méprise, messieurs. Que voulez-vous ? Ce sont les risques de notre métier. Monsieur Baxter, si cela est possible, j'aimerais faire une randonnée en montagne autour du centre. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Certainement, mon ami. Mais prenez garde, les deux suspects n'ont toujours pas été retrouvés. Capitaine, voyez si vous pouvez vous procurer des talkie-walkie. J'ai une petite idée derrière la tête. Si tu veux mon avis, Milou, nous sommes sur la bonne voie. Je crois que notre promenade se termine là. Voilà. D'ici, la vue est bien dégagée. Et maintenant, au travail. Tu vois, Milou, avant de partir, j'ai longuement étudié le plan de l'usine et j'ai découvert une bouche d'aération qu'on n'a pas cru nécessaire de garder, étant donné qu'elle paraît inaccessible. Eh bien, moi, je crois qu'il y a un moyen d'y parvenir. Ça y est, voilà la bouche d'aération. Bien, allons-y. Je suis persuadé qu'il y a moyen de l'atteindre, n'est-ce pas, Milou ? Ça y est, nous y sommes. C'est bien ce que je pensais. Voilà l'endroit rêvé pour une rencontre entre espions et complices. Capitaine, capitaine, vous m'entendez ? 5 sur 5, Moussaillon. Je suis à la bouche de ventilation numéro 3, au couloir numéro 7 du secteur J. Mes soupçons étaient fondés, capitaine. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre plan à exécution. Je compte sur vous, n'est-ce pas ? Comptez sur moi et surtout, soyez prudent, Tintin. Oh. Attention, Milou, j'ai entendu du bruit. Psst. Tu es là ? Oui, voici le document. Merci, bien reçu. Haut les mains, et pas un geste. Bien joué, Jim. Tonnerre de Brest, Tintin ! Que se passe-t-il ? Oh ! Le capitaine ! Oh, j'espère qu'il n'est pas... Il reprend ses esprits. Écoutez, ces hurlements, c'est Milou. Il est arrivé quelque chose à Tintin. Que se passe-t-il ici ? C'est Tintin. Il est à l'extérieur, près de la bouche d'aération numéro 3. Il était sûr d'y surprendre les espions. Faites vite ! Le téléphone. Dépêchez-vous, il a besoin d'aide ! La sécurité, ici Baxter. Envoyez de toute urgence un hélicoptère au-dessus de la bouche d'aération numéro 3. Tintin y a été agressé. Il doit s'agir des intrus. Ça y est, nous apercevons deux fuyards. Nous envoyons une patrouille pour les intercepter. Essayez de retrouver Tintin. Le docteur nous l'a dit, vous serez vite sur pied. Grâce à vous, nous savons maintenant qu'il a un complice parmi nous. Il n'y a plus qu'à le démasquer. Oui, mais ce ne sera pas commode. Le gaillard va chercher à se faire oublier. Quant au document, il aura pris soin de faire des copies. Oh, le bandit, c'est sûrement lui qui m'a assommé la nuit dernière. Ou le pirate. Ou si je le tenais, ce gredin, mais ça va. Je le briserai comme gredin. Excusez-moi, monsieur Baxter. Je me suis laissé emporter. Je vais demander au service de sécurité de redoubler de vigilance. Nous finirons bien par le prendre. Sur ce, je vous laisse. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Baxter. Cette affaire est louche, Dupont. À mon avis, le capitaine Haddock ne s'est quand même pas assommé tout seul. Ils ont un complice parmi nous. Regarde, cette porte est ouverte. Mais toutes les portes sont censées être fermées la nuit. Reste ici, toi. Je vais voir ce qu'il y a derrière cette porte. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu un squelette ! J'ai vu un squelette derrière ce panneau ! Un squelette, mon pauvre ami ! Je crois que tu travailles du chapeau melon. Mais non, enfin, puisque je te dis que j'ai vu un squelette, je l'ai pas inventé ! Allons, pas d'enfantillage ! Procédons par ordre, viens avec moi. C'est cela, allons voir. Alors, où est-il ? Il n'y a rien. C'est incroyable, mais j'étais pourtant certain. Ah oui, eh bien, si tu le vois, ton squelette, dis-lui bonjour de ma part. Très drôle, très très drôle. Où diable a-t-il pu passer ? Alors, professeur ? Eh bien, tout est prêt, monsieur Baxter. Les techniciens font les derniers réglages du dispositif de départ. Monsieur Baxter ? Oui ? Voyez donc qui est là. Tintin, comment allez-vous ? Bonjour, monsieur Baxter, je vais bien, merci. Non, regardez, monsieur Baxter, Tintin est debout.
Eh bien, puisque tout le monde est là, allons dans la salle de contrôle. Évacuez la salle de montage. Nous y sommes. C'est d'ici que nous allons diriger la course de la fusée. Dites-moi, professeur, avez-vous songé au dispositif dont je vous ai parlé l'autre jour ? Le dispositif ? Oui, ah, oui, bien sûr, c'est fait. Je l'ai mis au point cette nuit. Allô, l'observatoire, ici Baxter. Je suis au poste de contrôle. Vous êtes prêt là-haut ? Fin prêt, monsieur Baxter. Tout le monde est à son poste. Ici le radar. Oui, monsieur Baxter, nous sommes prêts. C'est ici le tableau de commande où se trouvent rassemblés tous les appareils guidage de la fusée. Messieurs, dans quelques minutes, la XFLR-6 va prendre son vol. Je propose que nous laissions l'honneur de donner le départ au plus jeune d'entre nous, Tintin. Bravo ! Allô, allô, observatoire à tour de contrôle. Tenez-vous prêts. Il reste encore 3 minutes. Tout le monde à son poste. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 0 ! Ça y est, la voilà partie. Nous avons envoyé le fusée vers la lune. Vers la lune. Vous vous rendez compte de ce que signifient ces 3 petits mots? Vers la lune. Oh mon Dieu, je suis désolé. Encore une chance que vous n'ayez pas votre pipe à la bouche. Observatoire à tour de contrôle. Tenez-vous prêt à déclencher le moteur à réaction nucléaire. Attention, encore 20 secondes. Tenez-vous prêt, tête. 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Observatoire à tour de contrôle. Le moteur atomique s'est mis en marche. Coupez le moteur auxiliaire. Comment fonctionne le radar ? À merveille. Tout va bien. Patience, dans quelques heures, nous pourrons intervenir. Observatoire à tour de contrôle. Correction. 0086. 0086, correction faite. Correction minime, me semble-t-il. Attention, tenez-vous prêt à couper le moteur atomique. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La fusée va bientôt disparaître de notre champ de vision. Ça y est, elle a disparu du radar. Ah, nous pouvons nous reposer pendant quelques minutes. Avec le moteur atomique coupé, la vitesse acquise combinée à la traction lunaire obligera la fusée à tourner autour de la Lune. Ce n'est que lorsque la XFLR-6 réapparaîtra que nous pourrons reprendre le radioguidage. Et voilà, leur fusée est masquée par la Lune. Et quand elle réapparaîtra, nous en prendrons possession. La fusée est revenue sur l'écran radar. Tenez-vous prêt à reprendre le radioguidage. Vous permettez que je le fasse, moi ? Volontiers. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et hop ! Observatoire à tour de contrôle. Correction 0098. Correction faite. Attention, tour de contrôle, nouvelle correction. 3, 2, 7, 6. Nouvelle correction faite. Négative. Hein ? La fusée ne réagit pas. Elle dévite sa route. Corrigez donc. Quelque chose ne va pas, Wolf ? Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Correction, 7, 8, 5, 2. Corrigez, bon sang ! Mais je ne fais que ça, ça permet pas de... Fichu fusée de tonnerre de presque. Je n'y comprends rien. La fusée échappe complètement à notre contrôle. Mais oui, je comprends. C'est Tintin qui avait raison, comme j'ai bien fait de l'écouter. Et voilà, nous avons pris le contrôle de leur fusée. Nous n'avons plus qu'à la conduire au point de récupération. Beau travail. Que faites-vous, professeur ? Non, monsieur Baxter, je ne suis pas fou, mais j'ai le regret de vous dire que je dois détruire la XFLR-6. Mais vous n'y songez pas, voyons. La XFLR-6 ne nous obéit plus parce qu'elle a été interceptée par un poste de radioguidage plus puissant. Tintin m'avait suggéré cette éventualité. Si nous n'intervenons pas rapidement, Dieu sait quels forbans vont s'emparer de la fusée. Mais nous pourrions peut-être... Observatoire à tour de contrôle. La fusée est maintenant à plus de 1280 km de sa trajectoire. Elle a échappé complètement à notre radioguidage. Allô, l'observatoire ? La fusée a-t-elle explosé ? Explosé ? Mais non, au contraire, elle s'éloigne de plus en plus.
Oh, malheur, malheur, tout est perdu, perdu, nos secrets, nos découvertes. Allons, Tryphon, du calme, je vous en prie. Tout cela va tomber en des mains étrangères, oh, c'est épouvantable. Ah, je vois ce que c'est, deux fils déconnectés. Ce sera vite réparé, et voilà. Cette fois, je crois que ça va marcher. Allons-y. Observatoire à tour de contrôle. La XFLR 6 a fait explosion. Plus rien à observer. Ils avaient tout prévu. Ils ont préféré faire sauter leur fusée que de la laisser tomber entre nos mains. Eh bien, je me suis dit que les documents remis aux espions contenaient peut-être les indications concernant le radioguidage de notre fusée d'essai. J'en ai fait part au professeur qui a imaginé un dispositif de destruction. Bravo, Tintin, cette précaution s'est avérée des plus utiles. Hélas, oui, mais voilà tous nos espoirs réduits à néant. Des mois, des années de recherche et d'efforts anéantis. Doucement. Non, professeur, tout n'est pas perdu, au contraire. Oui ou non, votre moteur atomique a-t-il fonctionné à la perfection? Oui ou non, votre fusée est-elle allée jusqu'à la Lune et en a-t-elle fait le tour? Tintin a raison. L'essai a été très concluant, professeur. Ne vous laissez pas abattre. Dès demain, nous commencerons à construire la véritable fusée qui vous emportera vers la Lune. Oui, vers la Lune. Vers la Lune. Heureux de vous revoir, colonel Jürgen. Vous êtes un élément capital dans la réussite de notre opération. Vous pouvez compter sur moi, chef. J'ai compris que Tintin était impliqué dans le programme spatial. Or, cela fait très longtemps que j'attends de prendre ma revanche sur lui. Il y a cependant une petite complication. La date de lancement a été avancée, le décollage aura lieu dans des jours. Cela ne pose aucun problème, rassurez-vous, tout se passera comme prévu. Je commence à en avoir assez de toutes ces expériences. C'est pas bientôt fini. Alors, courage, capitaine. C'est le dernier test. Ah, eh bien, c'est pas trop tôt. Je dois avoir l'air d'un poisson rouge dans son bocal. Et puis, il pèse des tonnes, votre petit costume. Rassurez-vous, capitaine. La pesanteur sur la Lune est 6 fois moindre que sur la Terre. Une fois là-haut, vous sentirez à l'aise. Ah oui. Eh bien, tant mieux. Bien. Nous allons procéder aux essais. Vous m'entendez, capitaine? Oui, je vous reçois 5/5. Très bien. Si jamais vous aviez le moindre problème, criez stop. Ok, professeur. Nous allons donc commencer par faire le vide. Vous êtes maintenant dans le vide quasi intégral. Comment vous sentiez-vous? Pas mal, merci. Et vous, Wolf? Moi, bien. Nous allons à présent faire baisser la température. N'oubliez pas de régler votre appareil de chauffage. Oui, évidemment. La température est stabilisée à moins 50 degrés Celsius. Est-ce que ça va toujours? Oui, ça va. Essayez de faire quelques mouvements. Des mouvements avec tout cet attirail sur le dos? Ouh, 1000 sabords, oula! Très bien, capitaine, très bien, continuez. Ça va, capitaine, vous pouvez cesser. Allô, capitaine, que faites-vous? Capitaine, répondez! Il se passe quelque chose d'anormal. Rétablissez la pression et la température, vite! Ça y est? Pas encore. La température est trop basse. Vous gèleriez, Tintin. Vite! Allez-y. Capitaine! Attendez, ne bougez pas. J'enlève votre casque. Dépêchez-vous! Sapristi, ce sont les souris qui ont servi aux premiers essais. On a oublié de les retirer du scaphandre. Mais pourquoi n'avez-vous pas crié? Mais je n'ai fait que cela, 1000 sabords. C'est vous qui n'avez pas répondu. Vous auriez pu crier longtemps. Votre appareil radio est débranché. Eh bien, ça promet. Si ça se produit sur la Lune, ce sera gai. En tout cas, la preuve est faite. Ce scaphandre résiste parfaitement au vide et aux basses températures. Au secours! Au secours! C'est la voix des Dupont et Dupont. Que se passe-t-il, messieurs? Des sourceaux! Des souris! Cet endroit est infesté de souris. Que leur est-il encore arrivé à cette paire de cornichons? Attention à votre antenne. Oh, tonnerre de Brest! Oh, mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basse, capitaine?
capitaine. Ah, parce que vous croyez que je l'ai fait exprès. Et puis j'en ai assez de toutes ces expériences. Vous voulez aller sur la Lune? Eh bien, allez-y sans moi. Je retourne à Moulassa et continuez à faire le zouave aussi longtemps que vous voudrez. Vraiment? Moi, tout le sol, je fais le zouave. Ah, je fais le zouave. Vous n'avez pas le droit de me dire des choses pareilles. Vous allez me suivre, je vais vous montrer, moi, de quelle façon je fais le zouave. Allez, en route. Ah, je fais le zouave. Voyons, Truffon, je... Ah, je fais le zouave. Au revoir. C'était sans intention méchante. Vous comprenez, je m'étais fait mal, alors, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est fini. Milliards de mille salons. N'essayez pas de me fausser compagnie. Non, enfin, Truffon. Excusez-moi, professeur, mais votre compagnon ne porte pas la tenue réglementaire. C'est juste, il a raison, je dois... Vous disparaissez, Vermichon, disparaissez. Il paraît que je fais le zouave, m'entendez? Oui, ici le chef de la sécurité intérieure, le professeur Tournesol. Comment ça, un scandale? Il dit qu'il fait le zouave. Travailler d'arrache-pied pendant des mois, tout ça pour s'entendre dire qu'on fait le zouave. Et la pile atomique qui fonctionne sans arrêt, et l'uranium qu'on fabrique, et les laboratoires qui travaillent jour et nuit, c'est aussi pour faire le... Eh bien, professeur, qu'est-ce que cela signifie? Alors comme ça, il paraît qu'on veut faire le zouave. Ah, il y a... Non, mais... Capitaine, venez ici immédiatement. Oui, mais au nom du ciel, Truffon, calme-toi, je t'en supplie. Hein? Arrière! On fait le soir! Ah, mais... Vite, dégagez l'entrée et fermez la porte! Ah! Laissez passer le soir! Ah, attention! Professeur, que faites-vous? Allons, je t'en prie, Truffon. Arrête, tu vas nous tuer. Stop! Wow! Professeur, non! Nous sommes vivants? Oh, je ne peux pas le croire. Je ne savais pas que Tournesol était un as du volant. Comme vous pouvez le constater, le zouave ne débrouille pas trop mal. Un de ces jours, il faudrait que je passe mon permis de conduire. Hein? Eh bien, qu'en pensez-vous? Voilà ce qu'il a réalisé, le zouave. Waouh, ça alors? Et c'est avec ce bibelot-là que vous comptez aller sur la Lune? Que nous irons sur la Lune, parfaitement, en attendant venir. Ce pauvre tournesol doit avoir du sel dans ses rivets. Comment voulez-vous qu'un monument pareil puisse s'élever dans les airs? Autant jouer du cornet à piston devant la tour Eiffel en s'imaginant qu'elle va danser la samba. Après vous. Vous êtes sûr que ça ne va pas partir sans crier gare? Alors, dépêchez-vous. Voici d'abord le poste de pilotage et le tableau de bord avec les commandes principales. Au centre, le périscope, avec son écran de projection. À cette place se trouvera le laboratoire, actuellement en cours de montage. Oh, c'est vraiment étonnant. Tout ceci est prodigieux. Prenez garde, sapristi, capitaine, là derrière vous. Un peu plus si vous vous étaliez les quatre fers en l'air. C'est par cette trappe que l'on accède à l'étage inférieur. Allez, suivez-moi, je vous montre le chemin. Nous sommes ici dans la cabine qui nous servira à la fois de chambre à coucher, de cuisine et de salle à manger. Et c'est sur cette couchette... Capitaine, ne restez pas si près de ce trou! Vous le faites exprès ou quoi? Tenez tant que ça vous casse une jambe. Je fais peut-être le zouave, moi, mais je regarde où je pose mes pieds. Bon, descendons à l'étage inférieur. Et une fois pour toutes, capitaine, soyez prudent! Derrière cette porte se trouvent les réservoirs d'eau potable et de carburant. Et voilà le tableau qui commande l'ouverture des sas qui nous permettront de sortir de la fusée et d'y rentrer lorsque nous serons dans l'espace. À présent, avez-vous des questions à poser aux zouaves? Eh bien, je crois que... Allô. On demande d'urgence le professeur Tournesol à la centrale. Bon, eh ben, il faut que j'y aille. Vous pouvez encore visiter la grande soute qui se trouve derrière la porte. Je retourne... Est-ce que ça va, professeur? Rien de cassé, au moins. Mille millions de mille sabords, dites quelque chose. Tenez, voici vos lunettes. C'est bien la peine de donner des conseils aux autres. Mais qui êtes-vous? Tournesol amnésique? Mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas, messieurs? Le professeur va retrouver la mémoire, vous allez le guérir. Hélas, difficile à dire, nous ne pouvons pas nous prononcer si vite. Mais il ne faut pas désespérer. Un choc émotionnel, peut-être. Et c'est un cas intéressant, mais de toute façon, il faut attendre. Hein? Attendre? Mais qui va terminer la fusée? Le professeur Tournesol est le seul à connaître le secret du moteur atomique. Sans lui, le voyage dans la Lune est impossible. Il faut qu'il guérisse si nous voulons aller dans l'espace.
Touché! Rien. Aucune réaction. Aucune, en effet. Une émotion violente, peut-être? Une jolie photo de notre ami Trifon. Allez, un beau petit sourire. Attention, le petit oiseau va sortir. Rien à faire. Pas la moindre réaction. Mille sabords. Ah, il lui faut des émotions fortes. Eh bien, croyez-moi, il va en avoir. Fais ta prière, Tournesol. Tu vas mourir. Non, capitaine. Tintin, cette fois, je crois que ça y est. Il va réagir. Hélas non, son état est stationnaire. Le capitaine a essayé toute la matinée, mais le professeur ne réagit toujours pas. Cette fois, mille savants, ça va parder. Capitaine? Avec ce pétard sous son fauteuil, il va guérir. Capitaine, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux... Oh. Je crains qu'il n'y ait aucune amélioration, monsieur Baxter. Le capitaine fait son possible, mais en vain. Le professeur a définitivement perdu la mémoire. Quel malheur. C'est un véritable désastre. Trifon, je suis un fantôme. Ouh, ouh. Oh, tremble, ô mortel, car je vais t'emporter chez le diable. Ah, oh, oh, mille millions de tonnerres de bresse, mille savants, riche idée que j'ai eu de me déguiser en fantôme. Et il reste là à me regarder cet extrait d'emplâtre. Vous ne pourriez pas au moins avoir peur, non, espèce de vieille marmotte, si vous croyez que ça m'amuse, moi, de faire le zouave. Ah, on m'y reprendra m'occuper d'un amnésique, mille savants. Zouave ? Moi ? Vous osez me traiter de zouave ? Ah, ça, c'est trop fort. Ça ne se passera pas comme ça. J'exige des excuses. Il est guéri. J'exige des excuses. Capitaine, grâce à vous, le professeur Tournesol est guéri. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Oh, je n'ai pas fait grand-chose. Pas grand-chose ? Mais sans votre intervention, le voyage sur la Lune devenait impossible. Tonnerre de Brest, j'avais complètement oublié ça. Dans mes bras, mon ami, dans mes bras. On vient de tout m'expliquer, mon amnésie, votre dévouement. Merci du fond du cœur. Il n'y a pas de quoi. Oh. Patron, un message de K23. Ah, ah, des nouvelles du grand magasin, pourvu qu'elles soient bonnes cette fois. Ah, Mammouth a retrouvé la mémoire grâce à Cachalot. L'opération Ulysse peut reprendre. Eh bien, messieurs, je crois que tout est en ordre pour le grand départ, n'est-ce pas, professeur? Tout est prêt, monsieur Baxter. Sauf le scaphandre lunaire de Milou, dont on termine actuellement la mise au point. Milou, c'est pour qui ce joli petit os? C'est bon, sa radio fonctionne parfaitement. Et vous, Wolf, avez-vous terminé? Eh bien, j'attends encore une livraison de matériel et ensuite tout sera prêt. Eh bien, colonel Jürgen, toujours décidé à accepter cette mission? Plus que jamais, chef. J'ai un vieux compte à régler avec Tintin. Si tout se passe comme prévu, la fusée devrait recevoir la livraison spéciale dans 3 heures. Excellent. Parfait. Maintenant que tout est prêt, nous procéderons au lancement de la fusée demain matin à 1h43 précise. Oh, vous vous rendez compte? Bientôt, des hommes vont marcher sur la Lune. Oh, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Tout ceci grâce à vous, professeur. Non, non, monsieur Baxter. Grâce à tous ceux dont le dévouement a permis de réaliser ce projet. Observez, Tournesol, n'y a-t-il rien qui vous frappe? Cela aura été un véritable travail d'équipe. Vous êtes bien trop modeste, professeur. Sans vous, il n'y aurait jamais eu de fusée lunaire. Oh. Quoi qu'il en soit, monsieur Baxter, je crois que nous pouvons être extrêmement fiers de la réussite de notre entreprise. Eh bien, vous avez remarqué à présent? Non, à première vue, je n'ai rien remarqué. Enfin, tout de même, vous ne voyez donc pas qu'il n'est plus sourd? En effet, capitaine. Hein? Pour le voyage sur la Lune, je tiens à entendre parfaitement les indications radio. Et comme je suis un peu dur d'oreille, j'ai pensé qu'il valait mieux que je me procure un appareil acoustique. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Hein? Je n'ai pas mes yeux dans ma poche, moi, moussaillon. Oh! Mille milliards de mille sabords! Eh bien, mon vieux Milou, nous voici fin prêts pour le plus extraordinaire voyage que nous n'ayons jamais fait. Vous n'avez pas l'air de vous amuser, capitaine. Pourquoi aurais-je l'air réjoui? Si l'engin de cette hurluberlu de Tournesol n'éclate pas en morceaux au moment du départ, nous irons nous promener entre la Grande Ourse et Jupiter et nous n'en reviendrons jamais. Libre à vous de trouver qu'il y a là de quoi se réjouir. Regardez, capitaine. N'est-ce pas féerique? Oui, pour les spectateurs, c'est très joli. Thank you.
Maintenant, je pense que c'est grâce à moi que Tournesol a retrouvé la mémoire et qu'il a pu finir ce tonnerre de presse de tas de boulons. Eh bien, capitaine, je crois que le moment est venu de nous séparer. Voyez-vous, je me réjouis de ce qu'il y ait un marin parmi ceux qui prendront pied sur la Lune. Moi, oh, vous savez, ça m'aurait été égal si ça avait été un clarinettiste. Adieu, mon jeune ami. Quelle chance vous avez. Je regrette de ne pouvoir être des vôtres. Si vous y tenez vraiment, je peux vous céder ma place. C'est très gentil à vous, mais je ne peux accepter un tel sacrifice. Et puis, ma place est ici. Ah, adieu, Wolf, et bonne chance. Au revoir. Je compte sur vous pour seconder le professeur. Tout à fait. Vous pouvez me faire confiance. Quant à vous, mon cher professeur, vous êtes assurément la meilleure garantie du succès de cette mission. Bonne chance. Merci bien, monsieur Baxter. Je n'ai qu'une parole. Ou nous irons sur la Lune, ou nous périrons tous. Adieu, la Terre. Et voilà, le sort en est jeté. Il est probable que nous perdions connaissance pendant la phase d'accélération initiale, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, le pilotage de notre engin se fera automatiquement. Ensuite, lorsque nous aurons repris nos sens, nous passerons au pilotage manuel. À présent, messieurs, tout le monde à son poste. Essayez des appareils. Tintin, prenez contact par radio avec la Terre. Entendu. Allô, ici Fusée Lunaire, j'appelle la Terre. Allô, ici la Terre. Nous faisons actuellement reculer les tours de montage. Décollage dans une minute. Mille tonnerres de Brest. Mon Dieu, c'est horrible si j'avais fait une erreur dans mes calculs. Eh bien, cette fois, ça y est. Quels sont ces coups sourds et réguliers? Évacuation des tours terminée. Non, ce sont les battements de mon propre cœur. Attention, plus que 30 secondes. Milou, allez, viens vite te coucher, tu entends? Milou. 15 secondes. Compte à rebours final. 10. Oh, 9, Milou, couche-toi, 8, allez, dépêche-toi. 7. 10. 5. 4. 3, 2, 1, 0. Se passe conformément aux calculs établis. Parfait. Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Terre appelle fusée lunaire. Me recevez-vous? Mais... Terre appelle fusée lunaire. Alors? Ah, monsieur Baxter, voilà plusieurs minutes que nous les appelons sans arrêt, je n'y comprends rien. Essayez encore. Observatoire à station de contrôle. On vous écoute. La fusée est à présent à 3000 mètres d'altitude. Oui, comme prévu. Elle vient d'atteindre la vitesse de libération, soit 9 km 133 mètres à la seconde. Tout semble normal. Terre appelle fusée lunaire. Ici la Terre, j'appelle fusée lunaire, j'appelle fusée lunaire. Tonnerre, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Allô, allô, ici la Terre, répondez. Oh, oh, c'est Milou. Ne me dites pas que c'est ça le cabot et le seul survivant. Allô, allô, ici la Terre. Répondez. Terre à fusée lunaire, répondez. Hein? Ici fusée lunaire. C'est papa qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Je vais voir où en sont les autres et je vous rappelle, terminé. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Professeur? Mais ça va, merci. Et vous, capitaine? Oh, très bien, fiston. Eh bien, messieurs, la grande aventure commence. Mais savoir, vous n'allez quand même pas me faire croire que nous sommes en route pour la Lune. Moi, je sais, ça paraît incroyable, mais pourtant, c'est bien la réalité. Sans blague. Et moi, je me demande si vous n'êtes pas encore en train de faire le zoom. Je veux dire, en train de vous payer ma tête. Un sacré capitaine, toujours sceptique, n'est-ce pas? Eh bien, venez voir, suivez-moi. Vous en jugerez par vous-même. Jetez un coup d'œil dans ce périscope tromboscopique. Tonnerre de Brest. Alors? C'est incroyable. C'est bouleversant. Ah oui, c'est merveilleux. La Terre, notre bonne vieille Terre, vue à plus de 10 000 kilomètres. Et bientôt, mes amis, nous marcherons sur la Lune.
Allô, fusée lunaire, appelle la Terre. Fusée lunaire, appelle la Terre. Allô, allô, ici la Terre. Votre vitesse est maintenant de 11 km secondes. Vous venez de quitter le champ d'attraction terrestre. Toutes mes félicitations, professeur. Tout s'est exactement passé comme vous l'aviez prévu. Mais qu'avez-vous, professeur? Vous y êtes tout pâle. Oh, c'est l'émotion, Wolf. Imaginez un seul instant que nous nous soyons trompés dans nos prévisions. N'y pensez pas, nous ne serions plus là pour en parler. Oh, mon pauvre ami, si ce n'était que ça, encore ça irait, mais c'est beaucoup plus grave. Nous serions obligés de refaire tous nos calculs. Mille sabords. Je n'aurais jamais dû accepter de venir. Que voulez-vous que je fasse sur la Lune? Franchement, il faut être... Capitaine, vous n'allez pas tourner en rond pendant tout le voyage. Je suis un marin, moi. Et cette satanée fusée commence à me peser sur les écoutilles. Vous rendez-vous compte, capitaine, que nous allons sur la Lune? C'est un rêve merveilleux. Un rêve? Passer sa journée entre quatre murs à respirer de l'air en conserve? Non, désolé. Tonnerre de Brest, je revends ma place au premier venu. Vous êtes tous là? Mais que s'est-il passé? Un tremblement de terre ou quoi? Lunaire appelle fusée lunaire. Que se passe-t-il? Nous avons entendu des voix étrangères. Ici, fusée lunaire. Information sensationnelle. Les Dupont et Dupont sont dans la fusée. Ils ont réussi à se faire enfermer à bord. Quoi? Oh non, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous faites ici, mille millions de mille sabords? Ce que nous faisons ici, eh bien, nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. Mais au fait, en parlant de départ, quelle heure est-il? Il est 2h du matin. Ah, très bien, nous avons encore tout le temps. Le départ est toujours fixé à 1h34? Mais malheureux, il y a une demi-heure que nous avons quitté la Terre. Nous sommes en route vers la Lune. Elle est bien bonne, celle-là, professeur. Je dirais même plus. Elle est très bonne. Oh, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Vous vouliez nous faire peur. Vous nous aviez bien dit que le départ était fixé à 1h34, pas vrai? À 1h34 du matin, pas à 13h34. 1h34 du matin? Bon, seulement cela pose un grave problème. Nos réserves d'oxygène étaient prévues pour 4 personnes. Or, nous voilà 6 à bord sans compter Milou. Vous entendez, espèce de brontosaure? Tout ça parce qu'à votre âge, vous ne savez pas faire la différence entre 1h34 et 13h34. Malheur. Et cessez donc de pleurnicher, ça dégage de l'acide carbonique, tonnerre de Brest. Sur ce, je vous quitte. J'ai à travailler sérieusement, moi. Et ne vous avisez pas de venir pomper mon oxygène. Ah, ce bon vieux Milou. Toi au moins, tu ne me déranges pas, hein? C'est vrai tout de même, il faut être seul pour étudier la science. Ça demande beaucoup de concentration. Ah, et maintenant, allons-y, entamons le premier chapitre. Mais je ne rêve pas! Mais oui, ma parole! Oh, voyez-vous ça? C'est Adonis! Et qui est-ce, Adonis? Un de vos amis qui habite la région? Non, l'astéroïde Adonis est un fragment de planète. C'est une grosse masse rocheuse de 700 mètres de diamètre environ. Tenez, venez à ma place, vous verrez. Admirez-la dans toute sa splendeur. Et de grâce, ne touchez à rien! Une erreur pourrait nous projeter contre l'astéroïde. Oh, c'est inouï! Alors, ce gros caillou, c'est Adonis? Dupont, viens voir ça! Ah, attention, votre canne! À la Lune. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tonnerre de Brest, en voilà des manières. Alors, pas de blague, dans mon verre et plus vite que ça. Allez! Mais ça, bon, qu'est-ce que je fabrique ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en baissant cette manette, vous avez coupé le moteur atomique et supprimé du coup la pesanteur artificielle créée par l'accélération qui nous permettait de nous mouvoir dans cette cabine de même façon que sur la Terre. Voilà pourquoi nous flottons. De grâce, professeur, pas de cours de physique maintenant. Il faut remettre le moteur en marche. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer d'arriver aux commandes. Encore un petit effort et j'y suis. Je vais pouvoir... Si je te touche, Milou, c'est toi qui y es, je t'aurais prévenu. Je l'ai. Attention, tenez-vous bien. Nous nous tenons. Regarde, Milou. Ça, c'est du sport. C'est parti. Oh.
mille milliards de mille sabords. Oh, non mais c'est pas bientôt fini. Bizarre, nous tenions pourtant bien. Allô, allô, ici la Terre, que s'est-il passé? Allô, allô, ici Fusée Lunaire, c'est un des deux policiers qui par mégarde a abaissé la manette du moteur. Mais celui-ci vient d'être remis en marche, terminé. Avec ces deux hurluberlus à bord, ils ne sont pas au bout de leur peine. Si le moteur est encore coupé avec ses souliers à semelles magnétiques, nous ne risquerons plus de voguer comme des ballonnets. Et comment expliquez-vous qu'il reste encore une paire? Il y avait juste le nombre. Quelqu'un n'aurait-il pas mis ses souliers? Ce doit être le capitaine. Il est resté en bas. Je vais les lui porter. Eh bien, mon brave Milou, tu n'as pas été trop secoué? Et vous, capitaine? Mais où peut-il être? Capitaine? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, sapristi! Professeur, venez vite! Ah, oui. Ah, il faudra que je perfectionne ces souliers magnétiques. Oubliez ces chaussures, professeur. Le capitaine est parti. Ça, par exemple, cette sonnerie, c'est le signal d'ouverture de la porte extérieure. Voilà l'explication. Lisez cette lettre que je viens de trouver sur la table. J'en ai plein le dos de votre maudite fusée. Je rentre à Moulinsart, signé Haddock. Oh, ça perd l'hypopée. Terre à fusée lunaire. Terre à fusée lunaire. Mais répondez, que se passe-t-il? C'est encore ces deux policiers. Allons la Terre. Le capitaine vient de se jeter hors de la fusée. Tintin va sortir pour lui porter secours. Mais ils vont me rendre fou. Ah. Je le vois, professeur. Coucou, c'est moi. Je vais essayer de me rapprocher de lui. Terminé. Soyez prudent, Tintin. Ne le laissez pas trop s'éloigner. Il risquerait d'être attiré par la police. Capitaine, vous m'entendez? Bien sûr que je vous entends. Quelle question, je ne suis pas encore fou que je sache. Écoutez-moi bien, capitaine. Si vous voulez rester en vie, je vous conseille d'attraper ce grappin et de remonter à bord. Ah, remonter à bord de votre espèce de cigare volant? Jamais de la vie, n'y comptez pas. Le pauvre, il a dû tomber sur la tête, pourvu que je ne le rate pas. Je rentre. Oh non! Allô, Tintin, ici le professeur Tournesol. De grâce, essayez de faire vite. Adonis va nous entraîner dans son orbite. Capitaine, soyez raisonnable. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Que je revienne? Oh non, jamais de la vie. Regardez, je ne rêve pas. C'est le château de Moulinsart. Oh, Nestor, nous sommes de retour. Oh non, mon Dieu, il est attiré par la masse d'Adonis. Capitaine! Hey, que se passe-t-il? Hey! Je suis attiré à mon tour. Professeur, vite! Sortez les échelons escamotables. Ça y est. Enfin, tout du moins pour l'instant. Tintin! L'attraction devient de plus en plus forte. Je ne tiendrai pas longtemps. Remettez le moteur en marche ou nous allons nous écraser contre l'astéroïde. Mais lâchez-moi, mille savants. Sauvez-vous, professeur. Sauvez la fusée. Remettez le moteur en marche. Pourvu que la corne ne cède pas. Mais Tintin, je veux... Maintenant, allez-y. Accrochez-vous, mon garçon. Nous sommes sortis de la zone d'attraction. C'est magnifique.
Je veux rentrer chez moi. Taisez-vous. Maintenant, ça suffit. Vos excentricités ont failli nous coûter la vie à tous. Vous compris. Vous allez rentrer à bord et vous conduire convenablement. Je suis un misérable. Je vous demande pardon, Tintin. Oh, ça va, n'en parlons plus. Pourrez-vous me pardonner un jour? Bien sûr, capitaine, mais la prochaine fois, pour l'amour du ciel, réfléchissez avant d'agir. Vous auriez pu tous nous tuer. Allô, fusée lunaire, appelle la Terre. Le capitaine et Tintin sont sains et saufs. Nous reprenons notre voyage vers la... Je n'ai aucune excuse. Je ne suis qu'un misérable. Qu'y a-t-il encore? Venez vite! Il y a d'énormes chenilles jaunes! Quoi? Oh, sapristi! Dupont et Dupont! Hélas! C'est bien ce que je craignais, une rechute! Ah oui, les pilules! Ce sont les mêmes symptômes qu'au... Qu'au pays de l'or noir! Ils ont déjà pris leur remède! Encore faut-il bien sûr lui laisser le temps d'agir, mais je ne peux malheureusement pas vous garantir le résultat! Dites-moi, messieurs, souffrez-vous beaucoup? Non, pas le moins du monde! Heureusement, non! Milou! Mais où veux-tu cesser? Attends, tu vas voir. Et quand on me demandera plus tard quelles étaient vos fonctions à bord de la fusée, je répondrai, moi, eh bien, monsieur, j'étais garçon coiffeur. Mille milliards de mille sabords, ce n'est pas d'une paire de ciseaux dont j'ai besoin, c'est un sécateur ou une tondeuse à gazon. Mon pauvre vieux, si tu te voyais. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Si vous croyez que vous avez l'air plus intelligent que votre collègue, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Oh, et voilà, c'est fini. Oh, regardez. Terre à fusée lunaire, tenez-vous prêt pour la manœuvre de retournement. Paré à couper le propulseur principal? Paré, le compte à rebours peut commencer. Arrière en plâtre, scolopendre, mérinos, fox à poil dur. Capitaine, nous allons couper le moteur. Chaussez donc vos souliers à semelle magnétique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a raison, si vous ne voulez pas voltiger comme un papillon, vous devez enfiler ces bottes. Hein? Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, tonnerre de braise! Allô, ici la Terre. Mettez en marche le réacteur latéral. Remettez le propulseur principal en marche. Dans 3 secondes. 2, 1, 0. Mais en voilà des manières! Encore un degré ouest, Wolf. Voilà, parfait. La fusée se dirige maintenant exactement vers le centre du Circuit Park. Allô, fusée lunaire à terre, ici Tintin. Nous en sommes au dernier préparatif. Le professeur règle en ce moment le pilotage automatique. Ah, non mais dites donc, que faites-vous? Nous obéissons aux ordres seulement, mon collègue et moi-même détestons dormir tout habillés. Ah, dépêchez-vous, messieurs, la fusée va l'unir au milieu du cirque et parc dans quelques minutes. Oh bah ça c'est épatant, il y a longtemps que nous n'avons plus été au cirque. Allô, ici fusée lunaire, c'est Tintin qui vous parle. Les effets du ralentissement commencent à se faire sentir. Tenez bon. Nous sommes écrasés sur nos couchettes. Par une force irrésistible. Plus possible de remuer. J'ai l'impression que mon crâne va éclater. Le professeur et le capitaine ont perdu connaissance. La fusée vibre de toutes les tôles. Pourvu qu'elle ne... Terre à fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô, Terre appelle fusée lunaire. Fusée lunaire, répondez. Allô. Ici, la fusée lunaire. C'est le professeur Tournesol qui vous parle. Tout va bien à bord. Ils sont vivants. Nous sommes tous sains et saufs.
vaisseau. Tintin se prépare. Il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire. Parfait. Mais d'où proviennent ces ronflements bizarres? Des ronflements, vous dites? Et... ah oui, ce sont les deux policiers. Ils ne sont pas encore réveillés. Allô, ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le sas. Prêt, mon brave Milou? Nous sommes prêts, capitaine. C'est parti, Moussaillon. Dépressurisation du sas. Attention, bouteille, ouverture de la porte. L'instant est solennel. La porte extérieure tourne lentement sur ses gonds. Oh, quel spectacle hallucinant! C'est... comment vous le décrire? C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe. Pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, immobiles et glacées, sans ce sentiment qui, de la Terre, nous les fait paraître si vivantes. Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0. Ça y est, j'y suis. Et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre. Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la Lune. Wow! Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur, on a marché sur la Lune. Eh bien, Milou, tu dois être content de pouvoir te dégourdir les pattes après un si long voyage. Allez, vas-y, profites-en. Sabords. Je ne peux pas y croire. Oh, c'est prodigieux. Je suis sur la Lune. Oh. Oh, tonnerre de Brest. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, capitaine. Sur la Lune, la pesanteur est 6 fois moindre que sur la Terre. À propos de la Terre, pourvu que nous puissions un jour y retourner. Hein? C'est absolument incroyable. Vous vous rendez compte? Nous sommes sur la Lune. Oh, regarde-moi ça, Dupont! Quel paysage fantastique! Et dire que nous foulons ce sol de la Lune où jamais la main de l'homme n'a mis le pied! Stop, mon vieux! Une crevasse! Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Mais quelle question! On saute! De grâce, Dupont! Ne commets pas d'imprudence! Ah, ne t'en fais pas! Et hop! Ah, tu as vu ça? C'est inouï! Et sans élan, s'il te plaît! À ton tour maintenant! Et hop là! Allô, sois sérieux. Si les gens nous voyaient. Mais espèce de bachibouzouk, revenez ici plus vite que ça. Vous n'avez d'ailleurs plus beaucoup d'oxygène. Très bien, nous rentrons. Bien envoyé, Dupont, il ne mérite pas que l'on se fatigue. Nous rentrons, puisque vous faites fi de notre collaboration scientifique. Scientifique? Oh, c'est pas vrai. Quelle bande de moulins gonfles. Oh, quel fou. Rira bien, je dirais même plus qu'il rira le dernier. Allô, la Terre, répondez. Ici Fusée Lunaire, me recevez-vous? Allô? Allô, ici Fusée Lunaire. Allô, ici la Terre. Nous vous recevons 5 sur 5, Tintin. À vous. Le char lunaire est prêt pour sa première expédition. Le capitaine Haddock, messieurs Dupont et Dupont et le professeur Tournesol viennent de monter à bord. Durant les 5 derniers jours, nous avons consacré tout notre temps à l'étude des rayons cosmiques et à l'observation des planètes les plus proches. Les résultats vont bien au-delà de nos espérances. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Wolf et moi-même allons rester à bord. Nous serons en contact radio avec le char lunaire. Terminé. Bien reçu, Fusée Lunaire. Nous restons à l'écoute. Terminé. Char lunaire à Tintin, me recevez-vous? Ici Tintin, professeur. Quelle est votre position? Nous nous dirigeons vers un cirque Ptolémée. Il y a là une chaîne de montagnes qui devrait être riche en minerais de toutes sortes. Souhaitez-nous bonne chance! Bonne chance, professeur. J'ai l'impression, cette fois, l'opération Ulysse est entrée dans sa phase décisive. Il va y avoir du sport. Ici Tintin, je voulais vous rappeler que vos réserves d'oxygène sont limitées. Ne vous aventurez pas trop loin. Soyez tranquille, Tintin. Nous serons de retour dans moins de 2 heures. Alors, bon voyage et à plus tard. Il est l'heure du repas. Je descends à la cale chercher de quoi préparer à déjeuner. Voulez-vous que j'y aille, professeur? Non, ne vous dérangez pas. J'y vais moi-même.
Il semble bien étrange aujourd'hui. Ah, quelle chaleur sous cette cloche à fromage. Je fonds littéralement. Ah, sans ce casque et le laryngophone, ça va déjà beaucoup mieux. Oh, ah, oh. Aïe, oh, je... oh zut, j'ai oublié de prendre le lait. Cette fois, c'est moi qui vais y aller. Oh, très bien, je vous remercie, c'est gentil de votre part. Vous verrez, la caisse se trouve droit devant vous en entrant. Alors, mon petit, tu ne t'attendais pas à ce que le colonel Jürgen vienne un jour chercher sa revanche jusque sur la Lune? Hé, hey, Wolf, tu peux venir. Je... voilà, j'arrive. Allons, dépêche-toi. Oh, oh, mais... mais vous ne l'avez tout de même pas? Non, rassure-toi, je l'ai simplement endormi. Et maintenant, Wolf, en route pour la Terre. Quoi? Sans attendre les autres? Exactement, sans les attendre. Mais non, nous ne pouvons pas faire ça. Les abandonner sur la Lune, c'est les condamner à une mort atroce. Je refuse, je ne me rendrai pas complice d'un pareil forfait. Nous partons, un point, c'est tout. De toute façon, si nous devions ramener les autres, nous n'aurions jamais assez d'oxygène pour arriver à destination. Tu vas donc préparer cette fusée pour le départ et respecter ton contrat, c'est compris? Parfait. Eh bien, maintenant, partons. Allô, tiens, ici le chat. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Allons, professeur. Ici Wolf, je... ce n'est rien, rassurez-vous. Mais que faites-vous? En quoi cet animal pouvait-il vous gêner? Nous ne devons prendre aucun risque. Allô, fusée lunaire, hein? Qui tourne seul. Nous sommes en panne, les batteries du moteur sont à plat. Le capitaine est occupé à brancher les petites batteries de secours qui nous permettront de revenir. Alors à tout de suite, terminé. Tu as entendu ça, Wolf? En route, tout de suite. Tout de suite, impossible. Hein? Les réacteurs doivent chauffer au moins pendant une demi-heure. Tu n'aurais pas pu y songer plus tôt, imbécile. Hein? Allons vite, qu'est-ce que tu attends? Oh, oh, ma tête. Que m'est-il arrivé? Ah, pourquoi suis-je ligoté? Mais quel est ce bruit? Quelqu'un veut faire décoller la fusée. Wolf! Ah, au secours, Wolf! Dépêche-toi, il faut être là d'une minute à l'autre. Je ne peux pas faire plus vite, dans 3 minutes. Tiens, la porte du sas est fermée, les échelons mobiles sont rentrés. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Wolf, ça y est? Pas encore. Fusée lunaire, ouvrez la porte et sortez les échelons, s'il vous plaît. Plus que 30 secondes. Alors, fusée lunaire, répondez non, j'ai perdu mon père. Appuie sur le bouton, Wolf. Quel est le concentré de moulin gaufre qui nous a sorti cette manœuvre à la graisse de hérisson? Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Les moteurs s'est brusquement arrêté. C'est toi qui as saboté le dispositif de départ, hein? Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Je vais compter jusqu'à 10. Si à 10 nous ne sommes pas partis, je te lance une balle dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 7, je vous en supplie, non, 8, 9, 10, oh non, oh, oh. Tintin, lui-même, allons, debout tous les deux, et les mains en l'air, on se retrouve, n'est-ce pas, colonel Boris? Vous n'avez pas beaucoup changé depuis le temps où vous conspiriez contre votre maître, le roi de Sildavi. À propos, vous accusiez ce pauvre Wolf d'avoir saboté le dispositif de départ. Eh bien, je suis désolé de vous contredire, mais le coupable, c'est moi. À présent, Wolf, auriez-vous l'obligeance de ligoter le colonel, et solidement, je vous prie. Tintin, Tintin, où êtes-vous? Ici, venez vite. 1000 millions de 1000 savants. Mais d'où il est tombé, cet olubrius de la Lune? Wolf, que s'est-il passé? Je ne comprends pas, c'est un malentendu, n'est-ce pas? Allons, expliquez-vous. Oh. Je suis un misérable. Quand je pense à tout cet oxygène que ce bachibouzouk a consommé, quel gâchis! Oh, Milou! J'ai bien peur qu'il se soit fait mal. Je crois que c'est sa patte. Vous avez raison. Notre brave Milou a la patte cassée. Vous entendez, espèce de sombre brute, vivisectionniste, tensionnaire, anthropophage? Oh, osez s'attaquer à un pauvre animal sans défense. Voyons, le capitaine Haddock va examiner cette patte. Ça fait mal, non, n'est-ce pas? Ouh, 1000 savants!
Et voilà, mon bon Milou, quelques jours de repos et tu seras guéri. Mais à présent, revenons à ces messieurs. Wolf, nous attendons vos explications. Il y a 3 ans, alors que je travaillais sur un projet top secret pour un pays étranger, je me suis laissé emporter par la passion du jeu et je me suis endetté. Rien ne va plus. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, j'avais énormément besoin d'argent. C'est alors que le colonel Jürgen m'a accosté. Il m'a dit qu'il connaissait ma situation et qu'il était prêt à payer mes dettes en échange de quelques renseignements sur les expériences nucléaires auxquelles je participais. J'y étais devenu un espion. Un jour, j'ai voulu redevenir un honnête homme et je me suis enfui en Sierra d'Avis où j'avais appris qu'on construisait une fusée atomique. On m'y a engagé. Lorsque vous êtes arrivé à Sbrodj, j'avais fini par oublier cette histoire. Hélas, j'ai reçu une visite de Jürgen. Il avait retrouvé ma trace. Il m'ordonna de lui fournir tous les renseignements concernant la fusée. Sinon, mon passé serait révélé. La mort dans l'âme, j'ai dû me soumettre. Jürgen m'avait promis que personne ne serait tué. Et vous avez cru ça longtemps, espèce de faucheton. Oh, Wolf, mais pourquoi n'êtes-vous pas venu me le dire plus tôt, hein? De toute façon, il est trop tard maintenant, professeur. Il ne nous reste plus qu'à fourrer ces 2 lascars à fond de cale. Quoi? Alors que nous risquons de manquer d'oxygène, nous allons nous encombrer de ces 2 pirates? Ils voulaient nous abandonner sur la Lune? Eh bien, c'est le sort qu'ils méritent eux-mêmes. Soyons plus chevaleresques que ces gens-là, capitaine. Allons, vous qui êtes le technicien, faites-les descendre et arrimez-les solidement. Allô, ici Fusée Lunaire. Des événements extrêmement graves viennent de se produire. Un traître agissant pour le compte d'une puissance inconnue s'était embarqué clandestinement sur la fusée. Wolf était son complice. Ils sont passés aux actes d'aujourd'hui et ont essayé de s'emparer de la fusée. Heureusement, nous avons pu les réduire à l'impuissance. Seulement maintenant, un gros problème se pose. Nous sommes 7 et je ne sais pas si nous aurons assez d'oxygène pour arriver sur la Terre en vie. Oh, quel magnifique clair de terre! Dommage que nous devions repartir si vite. Pour ne rien vous cacher, Moussaillon, je ne suis pas mécontent de rentrer au port. Et voilà, nous avons récupéré toutes les réserves d'oxygène, nous pouvons remonter. Au clair de la Terre, mon ami Pierrot. Allô, ici la Terre, attention, départ dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zéro. Magnifique, nous sommes partis. Et pour changer, nous tombons dans les pommes. Ah, tonnerre de Brest, où sont donc passés tous les autres? Eh bien, je vois que la Terre continue de tourner sans moi. Oh, voyons, capitaine, nous nous sommes permis de vous laisser dormir ainsi que les Dupont et Dupont pour économiser l'oxygène. Je m'excuse, mais il n'y a pas plus de Dupont et Dupont à l'étage en dessous que de cheveux sur la tête de notre ami. Hein? Mais alors, où sont-ils? Justement, je vous apporte de leurs nouvelles. Jürgen! Comment avez-vous fait pour vous échapper? Vous avez en vos 2 moustachus de brillants collaborateurs. Comment, Wolf? Vous êtes toujours de son côté. Oh, vous me décevez beaucoup. Qu'avez-vous fait des détectives Dupont et Dupont? Ils ont voulu remplacer nos liens par des menottes. Les imbéciles. Je doute fort qu'ils puissent se les enlever. Maintenant, assez causé, messieurs. Vous connaissez la situation. Pas assez d'oxygène pour tout le monde. Il y en a donc ici qui sont de trop. Vous, vous m'avez épargné. Mais moi, je ne vous épargnerai pas. Jürgen, vous m'aviez donné votre parole que vous leur laisseriez la vie sauve. Et tu as été assez naïf pour me croire. Oh non, Jürgen, vous ne feriez jamais cela. Tintin! Amen. Il n'y a plus rien à faire. Je ne voulais pas. C'est lui-même qui... Je sais, Wolf, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous reprenez votre place parmi nous, je vous fais confiance. Quoi, ce pirate du ciel, cet astronaute d'eau douce? Le laisser en liberté pour qu'à la première occasion, il nous... Mais... qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout bizarre. Mes poumons, j'ai du mal à respirer. Oui, je comprends. L'oxygène commence à se faire rare. Je vous conseille de vous calmer, capitaine. Soyez tranquille, il ne se passera rien. Je réponds de lui. Et maintenant, il vaudrait mieux nous étendre sur nos couchettes. Oui, comme ça, nous ne gaspillerons plus d'oxygène. Quant au corps de cet homme, nous n'avons guère d'autre solution que de l'abandonner dans l'espace.
tiens. Où allez-vous, Wolf? Chut! Plus bas. Je descends à la cale pour je crois qu'il s'y trouve encore une bonbonne d'oxygène. Ah, bon, non, mais si je vous demande ça, c'est parce que le capitaine m'a chargé de le tenir au courant de vos moindres faits et gestes. Terre appelle fusée lunaire. Terre appelle fusée lunaire. Répondez. Quoi, qu'y a-t-il? Ah oui, la radio. Allô? Ici Tintin, je vous écoute. Tintin, la fusée dévie de sa trajectoire. Rectifiez immédiatement sa course. Vite, professeur, vite, au poste de pilotage. La fusée dévie de sa trajectoire. Oh, bon sang! Juste ciel! C'est certainement un des détecteurs qui s'est coincé, pourvu que ça marche. Allô, ici fusée lunaire. Le mécanisme de direction s'était bloqué. Nous avons rectifié notre trajectoire, tout va bien. Wolf, où est-il mis le sabre? Où est Wolf? Ne vous inquiétez pas, capitaine, je sais où se trouve l'individu. Il est descendu à la cale chercher... Quoi? Et vous l'avez laissé faire, espèce de moule à gaufre? Vous aviez aussi besoin, vous, de jouer le héros grand cœur? Dieu sait quel coup de jarnac ce misérable est allé nous mijoter. Allons vite à la cale. Peut-être n'est-il pas trop tard. Eh bien, où se cache-t-il, ce gredin? Tonnerre! Là, qu'est-ce que je vous disais? Ah, le sauvage, il a saboté l'alarme. Attendez, il y a un papier. C'est l'écriture de Paul. Lorsque vous trouverez ces lignes, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi. Wolf, le malheureux, c'est pour éviter d'actionner le signal d'alarme et d'arrêter le réacteur qu'il a coupé les fils. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. Avez-vous retrouvé ce bandit? Quoi? Wolf, un bandit? Si jamais je vous entends encore une seule fois manquer de respect à la mémoire de ce héros, je vous envoie le rejoindre dans l'espace. C'est compris? Fusée lunaire appelle la Terre. L'atmosphère devient irrespirable et la dernière bonbonne a été utilisée. Déjà mes compagnons gisent sans connaissance. Je me demande si... si nous arriverons vivants. Courage, il vous reste environ une heure avant d'arriver sur Terre. Allô, fusée lunaire, préparez-vous à enclencher le pilotage automatique. Oh. Professeur, professeur, revenez à vous. Je n'aurais... jamais la force d'y arriver. Allô, Terre à fusée lunaire, m'entendez-vous? Fusée lunaire, répondez, il y a plus d'une seconde à faire. Si vous n'enclenchez pas le pilotage automatique, vous allez à la catastrophe. Au nom du ciel, Tintin, répondez. Il a dû s'évanouir. Vite, Walter, émettez la tonalité la plus aiguë avec le maximum de puissance. Et ce bruit! Ah oui! Ah, pilotage automatique! Ah, ici, Tintin! Arrêtez ce sifflement! Je suis occupé à régler le pilotage! Oh. Vous souvenez-vous de la manœuvre à effectuer? Oui, je crois. Eh bien, il était temps! Bien joué, Tintin! Le pilotage automatique est enclenché. Tintin! Nous l'avons perdu. Gardez le contact radio. Je file jusqu'à l'aire d'atterrissage. La fusée est à portée de vue du télescope. Le moteur atomique vient de s'arrêter pour l'entrée dans l'atmosphère. Plus vite, chauffeur, plus vite! Le moteur auxiliaire vient de prendre le relais. L'atterrissage est imminent. Pourvu qu'il soit encore vivant. Ça y est, la voilà. Mais que fait cette voiture? Elle va se faire aplatir comme une crêpe. Hein?
Monsieur Baxter! Monsieur Baxter! L'équipage de la fusée ne répond pas à nos appels! Apportez des scies électriques, vite! Il faut les sortir de là! Dépêchez-vous! Plus vite! Professeur, oh, qu'on leur mette les masques respiratoires. Victoire, ils se réveillent. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Rassurez-vous, Tintin, vous êtes sain et sauf sur la Terre. Sain et sauf sur la Terre? Et mes compagnons, et Milou? Milou! Oh, mon vieux Milou! Je crois bien que jamais nous ne sommes revenus d'aussi loin. Tintin! Mon ami, nous avons réussi. Quelle aventure, n'est-ce pas? Oui, nous venons de vivre une épopée unique, capitaine. Toutes mes félicitations, professeur. Vous êtes le grand vainqueur de cette expédition. La Lune porte désormais la trace de nos pas. Oui, et nous y retournerons. Je vous le promets à tous, nous y retournerons très vite. Quoi? Retourner sur la Lune, moi? Mille sabords, jamais plus je ne me laisserai embarquer dans votre cercueil volant. Vous entendez jamais de toute cette histoire, je vous dis, moi, il n'y a qu'une seule chose à retenir, on est vraiment bien que sur notre bonne vieille terre. We'll be right back.